Ben c'est le grand jour, comme dans le bon vieux temps. Raph et moi, on part all alone, juste nous deux. Un voyage de 10 jours au Manitoba, au Chevreuil. Ça fait déjà 2 ans que j'ai pas fait de voyage au Chevreuil. L'année passée, j'avais pris un petit sabbatique, j'avais été à l'Orignal pour la première fois. Je cacherai pas que ça commençait à me manquer. Donc, dans à peu près 45 minutes, on décolle. Manitoba, première fois, autant pour Raph que pour moi, qu'on fait ça, qu'on essaie cette province-là. Météo semble parfaite pour un beau trip. Chasse à l'arc, Manitoba 2016, on décolle dans pas là. Dernier appel d'embarquement. On vient d'arriver à Winnipeg, 10 h le matin. On va aller chercher nos bagages. Après ça, petit tour de taxi, ramasser l'auto qu'on a loué, revenir chercher Raph avec le stock. On va faire un petit détour au Cabela's parce que c'est quand même, on n'en a pas proche de chez nous de cette grosseur-là. Donc, on va aller faire un petit tour au Cabela's, faut acheter des permis, des choses comme ça. Puis après ça, prendre un petit dîner, puis on va flyer. On a un bon 3 heures de route quand même à faire après. J'espère être capable de pouvoir se cater à soir sur les terres qu'on va avoir le droit de chasser. Donc, on se dépêche, on vient chercher ça. Très, 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 très content d'être arrivé. Voilà, super bien été, fait que c'est encourageant. On vient d'arriver après 12 heures de voyagement pratiquement, même si on a juste un petit vol de 3 heures. On a la GRC qui nous a retardé un petit peu, mais bon, on va faire avec. On a juste le temps de défaire l'épicerie, placer un petit peu notre stock, puis il va nous rester à peu près une heure et demie pour aller faire le tour des champs, tour des terres, essayer de spotter, puis s'aligner un petit peu pour demain. Fait qu'on niaise pas plus que ça, des faits à faire, puis on se revoit après ça en scouting. Site là-dedans, dans le fond, là. Dans le milieu, là. OK. Là, c'est bon. Le grattage, il y a comme un petit chemin entre les deux petites tables de bois, là. Mm-hmm. Le grattage était là. Là, tu as un autre chemin, tu as le droit au bord du chemin et tout. OK. Là, l'autre chemin, là. Avec la table qu'il y a là? Ouais. Ouais, c'est ça, la place que j'avais dans la tête pour demain matin. Mm-hmm. On va aller voir. Je sais que la semaine passée, c'était pas battu encore. OK. C'était un champ d'avoine, là. Bon, là, je suis en train de prendre un waypoint parce qu'on vient d'avoir notre premier bug du Manitoba. On l'a vu vite. Je vous dirais que les chevreuils ici n'aiment pas beaucoup les trocs, mais ils étaient déjà en PMU du champ, puis il reste encore une demi-heure de clarté. J'ai vu vite, mais c'était un rack honnêtement correct, là. C'était pas un 180, là, mais c'était, je veux dire, c'était fait assez haut, puis il y avait des beams pas pires là-dessus. D'après moi, c'est quelque chose qu'on serait intéressé à avoir de proche. Fait qu'on prend le waypoint, une place qu'on a la permission. On vient de descendre. La première passe est faite. C'est vendredi matin. Nous sommes tous tranquilles. On était, je pense, un petit peu en retrait pour observer un petit peu les mouvements du secteur ici.
Ça a brassé cette nuit. Il y avait comme 4-5 scrapes qui sont apparus sur notre chemin d'entrée. À matin, on a vu deux chevreuils, deux bocs, deux petits 4 points. Mais en fait, 2-4 points, je pense, si je ne me trompe pas. Nous sommes tous assez tranquilles. Là, on va aller retourner au camp, aller se préparer une stratégie pour asseoir, parce que je pense qu'à soir, on va rentrer un petit peu plus dans un secteur où il y a un petit peu plus d'activité que Sylvain nous disait. Donc, on va aller se préparer tout de suite. On va descendre. Là, on est sur notre chemin d'aller. Tantôt, je disais qu'il y avait 4-5 scrapes qui étaient apparus durant la nuit. On est à côté d'une. Hier soir, on est venu ici. Il n'y avait rien de ça. Le boc qui a passé ici, là, évidemment, on ne sait pas. Il a passé dans la nuit, là, ça, c'est définitif, là, ou après qu'on soit passé. Fait que là, il faut juste voir si les soirs, ils ont tendance à plus l'utiliser que les matins, parce que le matin, définitivement, il n'était pas là. Mais, je veux dire, ça a brassé, puis c'est des vieilles scrapes. Mais en fait, c'est neuf, sauf que ça fait longtemps que ça roule, parce que il y a des branches brisées depuis des années déjà. Il travaillait fort, là, c'est du gros foin, là, puis ça a revolé, je veux dire. Mais là, c'est 6 pieds plus loin là, qu'il y a des résidus de gazon puis de foin qui ont été arrachés. Puis là, si on regardait là-bas, il y avait 2-3 robes en plus. La compétition est là entre les bas. Il faut juste être là au bon moment quand ils vont passer. Puis je pense que nos chances vont être meilleures le soir. On avait la chance d'avoir un voyage de 8-9 jours. Je comprends que parfois, c'est des voyages de 4-5 jours de chasse, donc le facteur temps peut être problématique, mais c'est toujours bon de prendre une bonne journée, une journée et demie, 2 jours peut-être, pour chasser de loin. Donc évidemment, on a toujours nos arcs avec nous, mais on prend le temps de s'installer en hauteur de loin des places qu'on peut bien voir les mouvements des chevreuils. Donc au Manitoba, c'est exactement ça. On a pris les 2 premières journées pour faire ça. Puis en dedans de, je dirais, une journée et demie, on savait exactement le champ où est-ce que la majorité des chevreuils du secteur allaient se nourrir. Donc, par la suite, ça a été facile pour nous de se déplacer en fonction des mouvements qu'on voyait et des vents qu'on avait. Donc, on prenait le temps. À chaque jour, on installait 1 à 2 stands par jour en fonction du vent de la journée et du vent du lendemain pour jamais être pris de court, pour être capable d'avoir un stand facilement chassable et accessible. Dans la chasse que vous avez vue, vous allez voir, le lendemain, on va se déplacer. Il a fallu aller chercher la permission pour avoir accès à cette terre-là. Par contre, ça nous a permis d'être vraiment proche de l'action très rapidement.
de finir, ben, venez de s'installer. En fait, ça fait à peu près 20 minutes qu'on est rendu dans notre arbre. On est dans le même secteur qu'on a chassé ce matin, où ce qu'on a vu, 4 bucks, donc d'un 8 points. Respectable, pas seulement un buck, mais en fait, assurément un buck que je tiens au Québec. Mais qu'ici, j'aimerais ça le voir d'un petit peu plus proche. Au début, je pensais que c'est un shooter, puis là, en regardant les vidéos par la suite, il en manque possiblement un peu. Donc là, on a bougé notre stand. Finalement, on n'est jamais sorti du bois. On est retourné au camp. Il était 3h, on est arrivé à l'arbre. Il était 5h. Il est 5h20, puis on a déjà 8 chevreuils de vue. Il est arrivé juste à temps. Le setup a l'air parfait. J'avais passé 25 mètres d'une talle à l'autre. On chasse une fence line, puis les chevreuils, dont les bugs vont voyager ça beaucoup pour rester à couvert et se déplacer. Ça regarde bien. Il n'annonce pas super beau aujourd'hui, mais le même stand va être chassable demain matin, où que, là, la température va être idéale. Donc ça regarde très bien. Le voyage est encore très tôt. Puis on s'approche, c'est ça qui est encourageant. Déjà le troisième arbre différent qu'on chassait. Puis ça, honnêtement, ça se dessinait très bien. On avait dans le champ de canola en avant de nous plusieurs chevreuils qui s'étaient ramassés là en train de commencer à manger, dont un des beaux bucks qu'on avait dans le secteur. Il y en avait au moins 3-4 beaux bucks qu'on aurait tirés. Puis un beau disque qui était là en arrière là, de deux femelles. On se doutait très bien que tranquillement, pas vite, les chevreuils probablement qui monteraient dans le champ de canola pour venir passer à notre gauche. Dans la trail où est-ce qu'on avait vu une vingtaine de chevreuils la veille sortir dans le champ vert. Évidemment, avec les nuages, puis la pluie qui s'est installée, la luminosité baissait très rapidement. Ça aurait assurément pas fait un beau vidéo, mais on n'était pas prêt à laisser passer un buck de ce calibre-là proche de nous, à l'arc, au Manitoba, dans un secteur qu'on connaissait pas. Donc la femelle s'est approchée, elle a décidé de sortir à mauvais vent pour nous, à bon vent pour elle, évidemment, sur une trail qu'on ne connaissait pas, à 70 mètres. Elle est tombée nerveuse parce qu'elle a pogné notre vent, mais elle a quand même continué à se déplacer dans le champ vert. Le buck, lui, il a beaucoup moins aimé ça. Il a resté jammé dans la fence line, dans la ligne de clôture, un bon 5 à 6 minutes avant de sortir. Pour que lui aussi, aussitôt qu'il a eu notre vent, j'ai jamais eu la chance de tirer, il a eu notre vent. Lui, ça l'a pris 15 secondes, pff, il est parti. Très loin, donc il y a des grosses chances qu'on venait de brûler un des beaux bucks dans le coin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait d'autres, puis que là, on se rapprochait dangereusement. Donc la trail, possiblement que le lendemain matin, on procédera à des rajustements de stand pour être plus proche de l'action encore.